Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois d'octobre pour les lions ascendant, descendant et signe lunaire. Alors, on va aller voir déjà l'énergie pour le mois d'octobre qui va vous accompagner, les lions. Quelle sera l'énergie du mois d'octobre qui va vous accompagner pour vous durant tout ce mois? Et écoutez, sachez, si vous êtes ici par hasard, le hasard n'existant pas, c'est qu'il y a un message pour vous que vous devez entendre. On débute avec la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Oui, souvent quand on se pose des questions, qu'on ne sait pas quelle direction prendre, quoi choisir, parce qu'on peut être inquiet de faire le mauvais choix, douter. Descendez dans votre cœur. Écoutez-le. Écoutez votre cœur. C'est lui qui va vous diriger vers la solution. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous pensez à la situation qui est devant vous ou au choix que vous avez à faire devant les éventualités, qu'est-ce que vous ressentez? Êtes-vous nerveux? Êtes-vous inquiet? Êtes-vous dans le doute, dans l'incertitude, dans l'insécurité? Possiblement que ce n'est pas le bon choix. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes dans le bonheur, que vous êtes excité, attention que ce ne soit pas non plus de la fabulation, là, que ce soit trop, pas trop euphorique non plus, mais que vous soyez, que vous vous sentez bien, que vous êtes joyeux à cette idée-là, que vous êtes motivé, encouragé, ben vous avez votre solution. Vous avez en fait votre réponse. Alors, c'est de ça qu'on veut vous parler ici, en écoutant votre cœur, en regardant en vous pour que tout s'éclaire et que vous trouviez la réponse que vous avez besoin. À la limite, je vous dirais, vous pouvez même demander à votre ange gardien, posez-lui la question. Vous allez pouvoir être surpris de voir la réponse dans les synchronicités durant votre journée. Alors, on va commencer avec le tarot pour vous, les lions. Voir les situations que vous vivez présentement et qu'est-ce qui pourrait se présenter pour vous durant ce mois d'octobre. Vous avez la force, le pape, l'empereur et la justice. La force, durant le mois d'octobre, vous allez devoir faire appel à votre force intérieure, à votre maîtrise, la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de vos sentiments, la maîtrise devant les situations qui vont se présenter ou les événements, c'est-à-dire de garder autant que vous le pouvez votre calme, votre sérénité, peu importe ce qui se présente à vous, d'être patient, de garder aussi votre détermination, votre volonté de réussir pour contrôler vos peurs, pour ne pas vous laisser envahir par l'anxiété, l'inquiétude, le doute, la peur.
regardez plutôt les solutions, qu'est-ce qui se présente à vous, de quelle façon vous pourriez résoudre la situation pour trouver la réponse, justement, à votre questionnement ou devant les événements de la vie qui vous arrivent, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans votre vie sociale, avec vos amis, vos connaissances, dans les discussions, les échanges que vous avez avec eux. Gardez autant que possible votre sérénité, votre paix, votre calme. Votre contrôle de vous-même, hein, ni plus ni moins. En amour, la même chose, côté familial. Donc, vous avez compris ici que vous allez avoir avantage à faire attention, à garder le contrôle de vous-même en toute situation agréable. C'est toujours plus facile, évidemment, que dans des situations ou des événements désagréables. Maintenant, avec le pape, on peut vouloir vous parler ici d'écouter aussi, d'écouter un conseiller, un enseignement de quelqu'un ou de quelque chose, d'étudier les situations, les événements de tous bords, tous côtés, de les étudier attentivement. Vous conformez aussi aux règles établies. Bon, je sais, on n'aime pas ça tant que ça, toujours se conformer aux règles, mais savez, si vous avez, je ne sais pas moi, des formulaires ou des situations dans lesquelles il y a déjà des règles établies. Je ne parle pas nécessairement par rapport à vous dans votre vie au quotidien avec la société en général. Je parle vraiment si vous avez des formulaires, des choses où il y a des règles établies, il va être préférable pour vous de vous y conformer parce que ça pourrait sinon être en votre défaveur de ne pas porter attention à ça. Parce qu'il peut être possible que vous allez chercher durant le mois d'octobre à vous recentrer sur vous-même, hein, en rapport avec vos valeurs. Pour que ça corresponde le plus possible à votre vie, à ce que vous croyez qui est juste pour vous. L'ambition, hein, d'être sur la bonne route, sur la bonne voie, d'aller vers la bonne direction, de suivre aussi certaines traditions, pardon. Ça pourrait être vous aussi qui apporte de l'aide à quelqu'un qui va vous en demander. On peut vouloir aussi, bien sûr, avec le pape, parler de religion. C'est à vous de voir. Mais on parle beaucoup ici des enseignements reçus. D'écouter les conseils. D'étudier les situations avant de signer quoi que ce soit. De vous conformer aux règles établies. C'est vraiment dans le but de vous orienter. Et possiblement que la carte de la force et du pape se présente à vous parce que dans un passé récent ou en rapport avec votre quête de où vous voulez aller, vous êtes justement à la recherche d'un équilibre, d'une sécurité plus grande dans votre vie. Parce que vous avez le désir de construire votre vie sur des bases solides.
de concrétiser votre vie. Et ça, dans tous les secteurs de votre vie, là, autant au niveau, encore une fois, professionnel, que ce soit avec vos amis, votre entourage, la famille, socialement, vous voulez mettre en œuvre quelque chose. Hein? On parle de quelque chose de concret ici avec l'empereur. Vous avez la qualité de rendre les choses confortables et c'est ce que vous souhaitez. C'est ce qui vous amène à aller chercher plus de contrôle de vos émotions, le contrôle de vous-même. Pour pouvoir réussir et de contrôler vos peurs, ce qui pourrait vous arrêter ou vous dévier de votre route. Comme avec le pape, de voir à l'occasion, dans certaines situations, respecter les règles établies de la société ou du fonctionnement de ce sur quoi vous êtes à élaborer, le respect aussi des traditions. Alors là, à partir de ça, vous voulez vraiment amener l'équilibre dans votre vie, avoir plus de sécurité, prendre vos responsabilités, bien sûr, avoir foi en vous, hein? Et ça va faire que vous allez devoir prendre vos responsabilités, bien évidemment. De toute façon, vous ne semblez pas être quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Mais durant le mois d'octobre, vous allez possiblement avoir à prendre des décisions justes et vraiment impartiales. Et si justement vous avez quelque chose en instance de justice, il y aurait des bonnes chances pour que ce soit tranché en votre faveur, que la décision soit tranchée en votre faveur. Mais on dit aussi que vous devez assumer vos actes. C'est un peu ça la justice, hein? Il faut se rendre responsable de nos actes. Il y a des conséquences à tous les actes qu'on fait, bons ou mauvais. Il y a toujours des conséquences dans la vie. Donc, ce n'est pas juste au niveau juridique, c'est au niveau professionnel, dans votre activité professionnelle. Les actes que vous posez, il y a des conséquences, vous le savez. En rapport avec votre famille, c'est la même chose. Donc, c'est de ce qu'on veut vous parler ici avec la justice. Parce que même avec la justice, encore une fois, on parle d'équilibre. Donc, j'ai l'impression pour le mois d'octobre, les lions, vous recherchez beaucoup, beaucoup, beaucoup l'équilibre. On parle d'équilibre avec l'empereur, on parle d'équilibre avec la justice. Il y a une forme d'équilibre aussi dans le pape. Et la même chose avec la force, selon moi, où on veut hein, équilibrer nos sentiments, nos émotions, garder le contrôle, la maîtrise de soi, de soi-même, dans les événements. Donc ici, avec la justice, vous voulez normaliser, régulariser, voire même officialiser une situation. Ça peut être ça aussi, d'officialiser une situation. Vous allez vouloir trouver la solution la plus équitable pour tous, pas seulement pour vous, pour tout le monde impliqué dans la situation. Ça, vous allez être à la recherche, mais c'est le résultat que vous allez avoir. Vous allez trouver la solution équitable pour tout le monde. Puis ça va être une décision irrévocable. Hein? La justice, elle décide, elle tranche. C'est là qu'elle s'en va, c'est ce que vous allez faire vous aussi. Parce que vous voulez remettre de l'ordre dans la situation ou dans l'événement qui pourrait se présenter au mois d'octobre. Avec un respect justement des normes, des règles établies.
On va aller voir maintenant un peu plus loin. Avec l'oracle Amour à mort, qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire de plus en lien avec le début du tirage? Va suivre, bien sûr, un tirage amoureux pour les couples, pour les célibataires, pour les gens même qui sont en situation plus compliquée. Pour l'instant, on poursuit. Si on peut avoir un peu plus d'informations sur ce qu'on vient d'amener avec le tarot, avec cet oracle-ci. Et vous avez le travail, la rivalité, le doute et l'amusement. Alors, le travail. Dans les prochains temps, durant le mois d'octobre, vous allez devoir vous impliquer dans un domaine plus que d'habitude, possiblement dans votre travail, dans votre activité professionnelle. Il va être nécessaire pour vous que vous accordiez votre temps et que vous vous investissiez vraiment dans une tâche qui va vous demander que quelqu'un d'autre aussi vienne vous supporter, vous aider, qu'elle s'investisse, cette personne-là aussi, avec vous dans ce travail-là. Ça risque de causer une certaine rivalité. Parce que je dirais qu'encore là, sur votre lieu d'activité professionnelle, il y a possiblement une rivalité. Ça peut être juste de la méchanceté d'une personne qui semble vous en vouloir, hein? Peut-être la personne avec laquelle vous allez avoir une tâche, puis que cette personne-là va devoir s'investir elle aussi. Vous allez le voir si elle ne s'investit pas tout à fait. Et possiblement que c'est cette personne-là qui vous jalouse, hein, qui crée une rivalité entre vous. Des fois, ben oui, sur nos lieux de travail, on a besoin de travailler. Je cherchais un autre mot, il ne veut pas venir. Mais de s'associer, hein, avec quelqu'un d'autre pour faire une tâche, c'est peut-être pas toujours la personne avec laquelle on aurait envie d'effectuer la tâche en question. Mais la vie étant ce qu'elle est, on n'a pas toujours le choix. Donc, si la personne ne vous apporte pas l'investissement nécessaire, l'aide nécessaire pour mener à bien votre tâche, dites-vous qu'il y a des bonnes chances que ce soit cette personne-là qui est en rivalité avec vous ou c'est quelqu'un d'autre. Toujours au sein du travail, qui vous rivalise, qui veut vous nuire, hein, qui veut vous entraver, qui veut vous empêcher de réussir. Donc, écoutez, soyez sur vos gardes, évitez de donner de l'eau au moulin à cette personne-là pour qu'elle puisse s'en servir contre vous. N'en dites pas trop, juste assez. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit par chez nous, au Québec. Parce que dans le fond, cette personne-là, elle attend juste ça, hein, que vous fassiez un faux pas, une petite erreur pour pouvoir s'en servir contre vous, justement. Puis vous atteindre inévitablement. Donc, c'est sûr que ça me fait l'impression que c'est la personne qui va devoir faire la tâche avec vous, qui n'est pas tout à fait honnête, qui n'est pas tout à fait gentille pour vous, que c'est une personne un peu malveillante.
Et au courant de cette tâche-là, mais c'est sûr que ça va vous apporter du doute, des questionnements. Vous comprendrez peut-être pas trop sur le coup qu'est-ce qui se passe. Possiblement que ce que vous pensiez de cette personne-là, vous allez vous rendre compte que vous étiez possiblement dans l'erreur, que votre idée que vous aviez de cette personne-là, c'est pas juste. Il vous manquait peut-être des informations ou peut-être que c'est la première fois que vous avez une tâche à accomplir avec elle, puis là, ça vous permet de la voir différemment et ça vous crée des doutes. Mais vous allez avoir la bonne, d'après moi, vous allez maîtriser là, votre force intérieure, puis ça va vous permettre de vous en amuser plus qu'autre chose. J'ai le sentiment que oui, c'est ça. Vous n'allez pas vous y attarder. Ça va vous amuser. Vous allez continuer votre tâche dans l'amusement sans trop finalement lui donner de l'importance à cette personne-là. Et vous faites vraiment bien parce que selon moi, c'est la meilleure attitude à avoir. C'est de ne pas lui donner justement de chance ou de viande, hein, se mettre sous la dent et de voir un peu comme votre indifférence ou votre amusement. Peut-être que vous allez faire comme un peu comme l'innocent, l'innocente, comme si vous ne voyiez pas son jeu, pour justement pas non plus, ça va faire en sorte, c'est peut-être elle aussi ensuite qui va avoir des doutes, qui va se demander ce qui se passe. En tout cas, ça, je trouve ça très drôle. Écoutez, mettez-moi ça dans les commentaires si ça fait du sens pour vous. Je serais vraiment curieuse. On est rendu maintenant au tirage amoureux pour les couples. Ne vous inquiétez pas, les célibataires, votre tour va venir tout de suite après. Et je vais même aller voir pour les gens qui sont en situation plus précaire ou plus délicate, hein, je vais aller voir ça aussi. Alors maintenant, pour les lions, comment va évoluer votre situation amoureuse, votre couple durant ce mois d'octobre? Comment va évoluer votre relation amoureuse, votre couple, durant ce mois d'octobre, les lions. Alors, on vous parle. Ben, on veut vous dire déjà que vous méritez l'amour. C'est une bonne chose. Vous êtes digne d'être aimé. On vous conseille de garder l'œil ouvert. On vous parle de codépendance et de relations karmiques. Ben écoutez, vous êtes digne d'être aimé, mais on vous met en garde de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ah, ça, c'est fréquent, hein, vous le savez. Parfois, on a un style de personne, on a un type de personne à l'esprit avec lequel on croit que vraiment, ça va être la meilleure personne pour évoluer en couple. Et finalement, des fois, des petites différences par rapport à ce qu'on s'attend comme personne, ça fait l'affaire aussi. Et des fois, c'est même mieux. On n'avait pas comme pensé. Des fois, à prime abord, la personne ne nous appelle pas tant. Mais bon, donc, gardez l'esprit ouvert. Il y a peut-être la codépendance, hein, dans votre couple qui affecte un peu votre vie amoureuse. Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui est dépendante de vous ou que vous êtes dépendante d'elle. Une dépendance affective, c'est. Écoutez, je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est jamais plaisant. Hein, parce que si c'est vous qui êtes dépendant affectif, c'est pas plaisant pour la personne qui partage votre vie.
Et à l'inverse, ben là, vous savez hein, que vraiment, c'est vraiment désagréable. Donc, il ne faut pas compter sur l'autre personne pour nous rendre heureux. C'est pas son ou heureuse, c'est pas son rôle. C'est à nous d'être heureux avec nous-mêmes, à prime abord. Et quand on est heureux avec nous-mêmes, qu'on s'aime, ça se propage, ça se sent chez les autres. Mais ce n'est pas à votre partenaire de vous rendre heureux, heureuse. En passant, c'est un état, hein, d'être heureux, heureuse. Vous avez simplement à choisir chaque matin quand vous vous levez que vous voulez être heureux, heureuse, que vous êtes heureux, heureuse. C'est vraiment un état. C'est pas la joie, oui, ça va être par rapport à quelque chose qui nous arrive. Mais décider d'être heureux dans la vie, c'est un choix, c'est un état. Donc faites attention à la dépendance affective, la codépendance. Soyez quand même autonome au travers de votre relation. Vous êtes possiblement dans une relation karmique, donc vous vous connaissiez déjà, c'est-à-dire que vous avez déjà vécu dans des vies antérieures des relations ensemble. Vous avez certainement un autre bout de chemin à faire ici, peut-être pour terminer la boucle, peut-être pas non plus. Ça, seul Dieu le sait, puis que le diable s'en doute, mais ça, on ne pourra pas répondre à cette question-là, en tout cas, pas aujourd'hui. Alors, on va aller voir quand même une carte complémentaire pour vous, pour venir nous dire un peu plus. Comment pourrait évoluer votre relation amoureuse durant le mois d'octobre? Manque de dialogue ou d'attention. Ben voyez-vous, il y a un équilibre à trouver entre votre travail, votre occupation professionnelle et votre partenaire. Donc, il manque de dialogue ou la personne a manque d'attention, vous ne lui donnez pas assez d'attention. Donc, elle ne doit pas penser vraiment que vous l'aimez ou du moins vous ne lui faites pas sentir suffisamment, ou c'est un manque de communication, de dialogue. Là, c'est vous qui savez dans votre couple c'est quoi qui biaise votre couple. De la communication, mais oui, c'est important aussi de parler de ses sentiments, qu'est-ce qu'on ressent, de rassurer l'autre hein, aussi. En se faisant, et vous savez, en passant, l'ouverture apporte l'ouverture. On a toujours avantage de parler honnêtement, franchement, avec notre partenaire. Écoutez, c'est notre compagnon et notre compagne de vie, bien souvent. Donc, pas parce que vous ne vivez pas en couple, je veux dire que vous habitez pas ensemble dans la même maison, que vous devez en dire moins. C'est la personne, vous devriez avoir une grande confiance entre la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir faire un grand bout de chemin. Alors, on va aller voir maintenant pour les célibataires. Est-ce que nos célibataires, nos lions ont des chances de rencontrer l'amour durant le mois d'octobre? Est-ce que nos lions célibataires ont la chance de rencontrer l'amour durant le mois d'octobre? Allons voir ce qu'on a. On nous parle de coup de foudre. On nous parle aussi qu'on a trouvé l'apaisement,
qu'on a trouvé un équilibre émotionnel avec la personne que vous allez rencontrer, mais qu'il y a une crainte d'être trompé, d'avoir une trahison ou d'être insatisfait de quelque chose. Mais oui, vous avez une chance d'être rencontré. D'être rencontré, pourquoi pas. Mais oui, vous avez... on parle de coup de foudre. Donc, ça va vous apporter du soulagement, de l'apaisement. Ça va vous calmer, ça va apporter... C'est sûr que ça va faire du bien au moral, hein, c'est certain. Ça va vous apporter un certain équilibre émotionnel, mais vous avez en même temps la crainte d'être trompé, d'être écouté. Si vous avez des petites choses à régler du passé, dépêchez-vous à les guérir parce que c'est selon moi, là. Selon moi, débuter une relation avec quelqu'un sans avoir guéri ses problématiques du passé, c'est un peu risqué. C'est difficile d'avancer sereinement à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Cette relation restera amicale. Parce qu'il y a un de vous deux qui accrochera pas. Ne surprends pas qu'on voit ici la jalousie. Si vous avez peur d'être jalouse, la personne, elle va le ressentir. Puis ça va faire que ça va l'éloigner plutôt que de se rapprocher. Donc, il va avoir un coup de foudre, mais ça va être quand même juste éphémère. On va aller voir maintenant pour les gens qui sont plus en situation un peu plus complexe, un peu plus délicate, soit que vous venez de vous laisser, vous vous demandez est-ce qu'il va ou qu'elle va revenir, est-ce qu'il y a des chances de retour de cet amour-là, ou encore, vous ne savez même pas si vous êtes en couple, hein? Il y a quelqu'un dans votre vie, mais le rythme de la relation fait en sorte que vous vous demandez est-ce que vous êtes en couple ou non. Les amantes, les maîtresses, tout ce qui peut être plus complexe, c'est un tirage pour vous, les amis Lion. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le mois d'octobre en lien avec votre relation? On vous parle de chance, de rivalité, mais de magie quand même. Pour finir sur une séparation. Il va avoir une opportunité. Est-ce que c'est une opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau? Parce que la personne avec qui vous êtes présentement, il y a de la rivalité, c'est un triangle amoureux, ou en tout cas, c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Et cette chance-là va apporter de la magie, finalement, un amour qui va être passionnant, ce qui va faire que vous allez vous séparer de la personne avec laquelle vous vivez une situation compliquée. C'est comme ça que je le ressens. On va quand même aller voir une carte complémentaire pour les ceux qui sont... soit qui ont décidé de prendre une pause pour réfléchir qu'est-ce qu'ils font de leur relation, ou soit qui viennent de se séparer. Et est-ce qu'il va y avoir un retour? Quelle va être l'évolution au mois d'octobre pour vous. Et cette personne, elle hésite parce qu'elle a un choix à faire. Elle a un choix à faire. Est-ce qu'elle doit faire des sacrifices? Est-ce qu'elle doit faire des concessions? Ça, c'est vous qui savez.
en lien avec la relation que vous vivez, mais la personne, elle hésite. Donc, on n'est pas dans le non, on n'est pas dans le oui, hein? on est dans l'entre-deux. Ce qui m'amène justement à la carte complémentaire pour les ceux qui sont en situation d'entre-deux. Hein? Vous ne savez pas si vous êtes en relation ou si vous n'êtes pas en relation. Vous êtes entre deux, vous avez à choisir entre deux personnes, pourquoi pas. Vous ne savez pas trop où ce que vous en êtes. Et ici, on veut vous dire que cette liaison va être intense, mais courte. Donc, moi, j'ai l'impression que ça répond également à ceux qui avaient le coup de foudre, là. Ça va être vraiment intense, mais court. Donc, pour les ceux qui étaient entre deux, qui ne savaient pas s'ils étaient dans une relation ou pas, comprennent pas trop ce qu'ils vivent. Relation courte, mais intense. Mais écoutez, savourez le moment présent. C'est ce que je pense qu'il y a le mieux à faire. On va aller voir maintenant avec guérison de l'âme. Qu'est-ce que vous auriez avantage durant le mois d'octobre de porter une attention particulière à œuvrer pour avancer d'un pas plus léger dans votre chemin de vie? Au quotidien, qu'est-ce que vous pourriez porter un petit peu d'attention à l'occasion durant le mois d'octobre? Sur quoi on vous invite à porter votre attention, les lions? En passant, si vous aimez ça, les tirages un petit peu plus de développement spirituel et d'épanouissement personnel, vous pourrez toujours aller voir mon tirage « Nouvelle vie ». Je l'ai fait signe par signe. Ici, on vous parle d'initiation, demeurez-vous aussi ouvert et prêt à changer votre perception de ce qui vous entoure pour apprendre, grandir et avoir de nouveaux foi en ce qui sera une version améliorée de vous-même. C'est une grande question qu'on vient de vous poser. Car la voie de la vérité se révèle simplement à celui qui sait écouter pour apprendre et voir au-delà de ce qu'il connaît déjà. Oui, il faut rester ouvert, il ne faut pas se fermer, accueillir les perceptions qui peuvent passer furtivement de ce qui vous entoure, de ce que vous pouvez apprendre pour pouvoir justement grandir puis retrouver votre foi, mais votre foi en vous-même, en vos perceptions, en ce que vous ressentez, pour pouvoir être la meilleure version de vous-même, hein, et d'être constamment dans l'amélioration de vous-même pour grandir, pour évoluer, pour que vous puissiez voir au-delà de ce que vous connaissez déjà. Autrement dit, c'est de rester ouvert, d'avoir l'esprit ouvert à ce que la vie vous envoie, même si vous connaissez pas ça. Des fois, juste d'aller s'informer un petit peu plus, ça va vous apporter des connaissances, bien évidemment, mais là, au moins, à partir de là, vous allez pouvoir voir si réellement ça vous intéresse ou pas. Mais si la vie vous envoie des informations, des événements qui tissent un peu votre intérêt, je vous dirais que ça risque de vous allumer sur quelque chose. Maintenant, on va aller voir avec la voie de la connaissance, votre voix silencieuse de votre intégrité, c'est-à-dire celle qui était là à votre naissance, quand vous êtes arrivé, avant que la société, même vos parents, votre famille, vos amis, vous influencent, même vos enseignants, hein, avec leurs croyances, avec leur façon de voir. Quelle était, vous, votre voix, on l'appelle la voix silencieuse de l'intégrité, et c'est celle qui était là à votre naissance. Quand je suis tout à ce... Voyons, pardon, je recommence.
Quand je suis tout à ce que je fais, la voix de la connaissance s'exprime à peine. Quand je suis inactif, mon mental ressent le besoin de s'activer, ce qui, pour la voix de la connaissance, est une invitation ouverte à me parler. La voix de la connaissance, ici, hein, on fait appel à la voix de l'univers, la voix de la source, où tout est compris, où tout est là. La connaissance entière du monde, elle est là, au grand complet. Donc, quand vous mettez votre mental à off, en faisant de la méditation, bien souvent, avec des respirations, je ne vous donnerai pas un cours de méditation. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des informations qui vont être plus spécifiques que ce que je pourrais vous dire. Mais ça permet, à ce moment-là, de laisser la voie de la connaissance entrer parce que vous avez fait comme le vide. C'est comme ça que les réponses peuvent venir. Alors, c'est ce qu'on vous dit. Et vous aviez probablement une facilité. Vous avez probablement une facilité à faire le vide en vous pour faire entrer la voie de la connaissance pour qu'elle puisse vous parler et vous diriger plus légèrement. C'est les réponses aussi, hein, ici. Là, pour moi, ça fait un lien avec la carte de la réponse. Parce que vous allez laisser la voie de la connaissance entrer à l'intérieur de vous. Ça va faire ouvrir votre cœur, puis ça va vous éclairer, ça va vous donner les réponses que vous cherchez. Maintenant, je vais vous donner avec les quatre accords Toltec, bien, je vais vous donner, on va aller tirer une carte très concrète. Ce que j'aime beaucoup des quatre accords Toltec, c'est que c'est très concret, c'est facile à appliquer dans sa vie de tous les jours. Pour toujours dans le but de s'améliorer, bien évidemment, parce que c'est vraiment mon but ici, c'est de vous aider à mieux cheminer, d'être plus léger sur votre chemin de vie. Alors, sur quoi est-ce que vous pourriez mettre un petit peu d'emphase durant le mois d'octobre pour alléger votre quotidien, tout simplement, un petit truc quand vous y pensez, de le faire. Et on veut vous conseiller. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Et ça, ça fait partie du premier accord Toltec qui est que votre parole soit impeccable. Et la parole impeccable, ne vous inquiétez pas, ça veut tout simplement dire de faire du mieux que vous pouvez avec vos paroles, c'est-à-dire d'être positif, d'encourager, d'être bienveillant, de supporter, d'être attentif aux autres. Donc, d'éliminer autant que possible la critique et le jugement gratuit qui est négatif et qui d'ailleurs fait redescendre vos vibrations. Donc, pour garder vos vibrations plus élevées, vous avez tout intérêt à avoir une parole impeccable. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Bien sûr, parce que vous allez partager ce qui vous rend joyeux. Donc, c'est un partage super positif. Et ça me fait penser d'ailleurs à la carte de l'initiation ici, hein, avec s'engager à diffuser la joie puis d'accepter de la recevoir. Parce qu'on parlait de changer vos perceptions puis d'apprendre, de grandir. Et la carte est toute en rose en plus. Ça me fait pour moi un lien dans ma tête, vraiment.
pour être la meilleure version de vous-même. Ben oui, si vous diffusez votre joie et que vous acceptez de recevoir celle que les autres veulent vous donner, que la vie vous apporte, ben automatiquement, vous allez être une meilleure version de vous-même, tout simplement. Alors, une dernière petite carte pour vous, de votre ange gardien. On va aller voir qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus, lui, en lien avec ce tirage qu'on vient de voir pour vous. Les lions. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. La réponse. Incroyable. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Oui, si vous acceptez les événements de votre vie, je sais, c'est pas facile, mais si vous acceptez les situations de votre vie qui sont moins agréables, prenez le temps de les regarder, de les voir différemment, de faire le vide en vous, ça va vous apporter des réponses vraiment. Et ça va vous permettre de ne pas les revivre. Parce que vous allez en avoir fait comme le tour, vous allez avoir compris. C'est quand on comprend que la vie cesse de nous envoyer toujours et toujours les mêmes patterns. Hein? Quand on dit comment ça se fait que je me retrouve encore dans le même pattern, il me semblait que j'avais compris. C'est parce que vous n'avez pas fait le tour. Puis bien souvent, on dit ça, me semblait que j'avais compris, mais on sait très bien au fond de nous qu'on n'avait rien compris. Ou en tout cas, pas son entièreté. Alors, c'est qu'il restait un bout de chemin à faire. Il y avait quelque chose à guérir. Il y avait quelque chose à accepter. C'est beaucoup dans l'acceptation. Donc, pour ne pas renier ou avoir du déni en rapport de ce qui vous arrive, l'idée, c'est vraiment de vous faire grandir, de faire en sorte que vous vous amélioriez et que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, les lions. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci aussi pour toutes vos petites actions, pour vos likes, vos commentaires. J'adore vous lire si vous saviez à quel point. Vos abonnements et vos partages, parce que vous savez, c'est vraiment de cette façon que vous permettez à cette chaîne d'évoluer et que d'autres personnes la trouvent plus facilement et puissent en bénéficier, tout comme vous. Alors, merci pour tout ça. Portez-vous bien, faites attention à vous. À tout bientôt.